Bonjour YouTube, c'est Lostania. Merci de me rejoindre sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver parce que nous sommes dans une quête passionnante. Pourquoi elle est passionnante? Parce que d'abord, manifestement, de nouvelles capacités se dégagent. C'est la première fois qu'on a fait un camp aussi. Et en plus, je croyais devoir abandonner et finalement, j'ai eu assez de nourriture pour faire revivre tout ce beau monde. Donc, elle est passionnante, celle-là. Elle est passionnante et je vous invite à la suivre avec moi pour voir ce qui va se passer à la fin. Va-t-on arriver au bout de la quête ou sera-t-on, un peu comme d'habitude, obligé de revenir piteusement? Bon, on va remettre un petit peu de loupiote. Hop! Et on avance. Promesse de sécurité. Oui, bien sûr. Donc on est où là? On est où? On est où? On est là. Hein. Alors, allez, on avance. Alors là, j'ai plus de repérage. Ah si, si. J'ai une curiosité qui est là d'ailleurs. On la prend. Ah, très bien. Au moins la chance nous sourit. Bah oui, quand même, de temps en temps, de temps en temps. Ouh, deux araignées. Mais ça, c'est rien. Je veux pas dire de bêtises, elles ont 7. Non, ça c'est. Elles sont surpris, on va leur régler leur os. Elles sont surpris parce qu'il y a de la lumière en fait. C'est à ça que sert la lumière. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas la laisser trop baisser d'ailleurs. Hop, j'en remets un coup. Alors on y va. Elle peut faire une petite dague lancée. 4-9, 4-9. Avec un peu de chance, elle peut m'en zigouiller un. Voilà, comme ça c'est réglé. Une, pardon. Une araignée. L'araignée peut pas jouer, elle est surprise. Marchemin ne peut rien faire. Ah ouais. Par contre, ces deux-là, c'est vraiment là, ils m'handicapent énormément. Ils m'handicapent énormément. Là, comme ça, c'est déjà un peu mieux. Alors, elle peut mettre un petit coup là, comme ça. Ouais, un vide 100. Vide 100, ça va faire quoi? 7, 14, il me faut du 7. 65%. Bon, bah voilà. Voilà la réponse. Lui, il peut rien faire. Il passe. Eh ben, j'ai réussi à la faire jouer. Oh là, quelle naze. J'aurais quand même pu en finir sans la. Alors, bon, allez, elle l'a fini. Voilà. Par contre, elle repasse devant. On ramasse. On remet le groupe tel qu'il était. Ouais. Faut pas oublier de remettre le groupe comme il était. Hein. Ça, c'est une erreur assez courante. Une fois en combat, ça devient problématique. Allez, on avance. Alors là, c'est déjà moins évident. C'est déjà moins évident. J'ai un aliéné, un fou. Lui à 15, on va. Alors, on va voir. Alors qu'elle pourrait essayer de me régler le problème. Là, j'ai 5, 11. Il a 10. Et là, j'ai 6, 13. 4, 10. Ouais, peut-être essayer de le. Mais alors, le problème, c'est qu'il va passer devant encore. J'ai pas envie. J'ai pas envie, donc on va faire ça. 3-8. 3-8, c'est déjà pas mal. Si elle fait 8, c'est bien. Et l'aliéné, combien? 4-9. Ouais, mais là, la probabilité est plus grande. Ok. Ils sont surpris. Donc là, on a la main. On en profite. On en profite bien. 6-12 avec 83%. Ça peut m'aider. Je pourrais détruire celui-là, tiens. Je pourrais détruire celui-là. Avec son entaille sépulcrale, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Elle. 4, 7, 5, 10. C'est pas terrible ça. Ils sont vite 100. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? 4, 9. J'ai une bonne proba. Bon, allez, on fait ça. Sur lequel j'ai un critique plus grand. C'est pareil. C'est pareil. Voilà, 8. Et lui, il peut rien faire. Il passe. Ouais, là, j'ai mal fait mon équipe. Faudra que je fasse attention la prochaine fois. Parce que j'en ai un qui sert à rien systématiquement. Oula, qu'est-ce qu'il a fait là? Lolala, d'accord. Gobelet en temps. Ouais, bon, ça va. Ça va, c'est pas méchant. Ouais, bon, ça va là. Ça va. Allez, on y va. Ah non. Encore? Ah ouais, bah oui. C'est le deuxième tour. D'accord. Alors on y va. 4-9, 4-9, 78, soit c'est sur lui. Voilà, 7, c'est pas énorme, mais ça devrait me suffire. Un petit gobelet tentant. Il m'exaspère son gobelet tentant, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous faire, lui? Un tranché.
7, 15, 4, celui-là il a une chance d'en finir, voilà, et elle, elle va nous faire un petit, non vite 100 elle peut pas, allez 5, 10, ouais c'est pas terrible mais il n'y a que ça, hein. Voilà, et lui, il passe. Oh, l'aliéné est complètement fou, effectivement. Gobelet tentant. Ouais. Je ne peux pas. Tu vas apprendre. Allez. Alors, on a du 4-9. Donc, c'est celui-là qu'il faut dégouiller. Voilà. Et elle, bah, elle va lui mettre un bon coup de latte dans la gueule. Là, elle peut pas. Ça, ça n'a pas d'intérêt. Zut. Ah, heureusement que c'est à lui de jouer. 8-16, qu'à 63%. C'est pas beaucoup, 63%. Mais bon, on va voir. Bon, c'est bon, il l'a eu. Alors, les dépouilles. Torche, c'est bien. Ouais, ok. C'est pas énorme, mais ça va. 88, on se remet un petit coup de torche. On ouvre le coffre. Il est piégé. Résiste, très bien. C'était un coffre infectieux, il a résisté. On avance. On se débrouille bien. Alors par contre, lui... Ah, un petit coup de repérage. Très bien. Par contre, lui, il est mal. J'ai plus rien à lui donner. Ça, c'est quoi? Herbe médicinale? Bah si. Ça n'a rien fait. Servent à purifier les objets à prévenir les maladies. Peuvent aussi ôter les malus de combat d'un héros. Bah alors, utilisons-le. Elle a des malus. C'est quoi le malus qu'elle a? Moins 5, moins 2 de vitesse. Et lui, comme malus, il a moins 5, moins 2. Et c'est elle qui est plus précieuse. Voilà, je la soigne. Je la soigne, ma Jolande. On y va. Hop. Une armoire. Le héros obtient l'absolution, c'est-à-dire... Bon, on ne sait pas. Ah ! J'avais pas vu le piège, bazar. De Grumelot. Hop ! Bon, pas l'air d'avoir de combat ici. On va dans la pièce. Repérage. Bon, les combats, on va se les garder pour la fin. Ça, c'est quoi, ça ? On va d'abord aller là. Une armoire avec des livres. En général, ils aiment pas trop ça, les livres. Une fois sur deux, ils disent que ça sert à rien. Une vieille page de journal. À saisir. Je sais pas à quoi servent les pages de journal. On avance. Est-ce que j'ai une pelle? Oui. Sombre. D'accord. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Le cran de Hansrey est testé fidèle. Super. Ça fait quoi, fidèle? Fidèle. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi correspondent les trucs, là. Fidèle. En plus, ça n'apparaît pas là. Bon, ça, c'est un truc à éclaircir aussi. Je ne sais pas où apparaissent celles qu'on gagne. Peut-être qu'on les a à la fin, j'en sais rien. Allez, on avance. Ah, torche, lumière. Combat. Donc on revient, parce qu'on était en haut du labyrinthe. On revient ici. Donc juste l'occasion qui stresse un petit peu. Ça, on a déjà eu droit. Alors, attention, parce que là, il va y avoir du combat. On y va. Donc là, tout est bien. Ils sont bien mis. On peut y aller. Bon, lui, il est mort, mais j'ai plus rien à lui donner. Si, un peu de nourriture, éventuellement. Je peux rien à lui donner. Les bandages, je peux pas. Page d'une bribe du journal d'une expédition condamnée. Quoi, ça peut servir, ça? Ah, merde, j'avais pas vu qu'on pouvait cliquer dessus. Journal de Darius, bandit de grand chemin. Cet automne, les voyageurs se font rares sur les routes, aussi plutôt que de mourir de faim.
J'ai remis ma dernière pièce entre les mains d'un pourvoyeur de rumeurs et d'ombres. Les corbeaux transportaient des notes mystérieuses sur une personne ou plusieurs personnes prêtes à payer contre des services à ne pas ébruiter, dans un hameau dont je n'ai jamais entendu parler. Je me prépare à partir immédiatement. C'est pas clair. Ça n'est pas clair. Je relirai ça tranquillement. Alors le combat, et voilà. Bon, on a 2-15, un aliéné. Nicht gut. 4-9, 90%. Allez, on y va. Ils sont surpris, j'ai pas vu. Non, ils sont pas surpris, bordel. Ils sont pas surpris en plus. Ça, c'était une des seules chances que j'avais de m'en sortir. Qu'ils soient surpris. Ok, à toi. Allez. Tranché. 8-16. Alors, voilà, tu dois pouvoir me faire un carnage sur celui-là. Suis-je bête. Très bien. Au revoir. Circuler, y'a rien à voir. Et elle va me faire... Ah non, merde. Elle. D'accord. C'était pour recevoir. 2, ça va. Malus. Mais c'est pas grave, tu vas me faire un bon tranchou. Alors, 6-12. Et avec ton vide de sang, là, 7-14, 85%, ça me plaît. 9, bien. Et lui ne peut rien faire. Deuxième tour. À elle. Alors, elle peut l'avoir, celui-là. Ah non, zut. Pour qu'elle ait celui-là, il faudrait qu'elle utilise... Ouais, mais je vais le faire parce qu'il est dangereux. Tant pis, ça fait passer devant, mais c'est pas grave. Ok. Le fou qui s'y met. Il fait pas de dégâts, le fou. Hein. Il stresse, quoi. Le cran de Yolande est testé. Paranoïaque, zut. Moi, je dis 25%, on ne me la fait pas. Elle doit parler des stats. Hein. C'est vrai que les stats sont très discutées sur ce jeu. Il y a beaucoup de gens qui disent que elles sont cheatées, quoi. Mais je crois pas. Fidèle, toi aussi, tu es fidèle. La seule chose, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Alors, fidèle. Tu passes. Alors là, tu vas pouvoir un vide sang. Non. Ça, alors on y va. Je crois que t'as pas trop le choix. De toute façon, j'ai rien d'autre qui puisse aller au fond. Très bien. Et enfin, lui. Ah ouais, mais attends, le problème c'est que là, j'ai fait une bêtise en faisant passer. J'aurais dû le faire passer devant. Bon, tant pis, je passe. On attend pour pas stresser. Voilà. Je vais avoir du mal à terminer le donjon quand même, hein, parce que. Alors, là, il fait 3-7, donc je l'élimine. Voilà. Et il reste plus que l'aliéné. Voilà, c'est pas vrai, elle a rien qui peut le toucher. T'y crois pas. Elle a pas de capacité positive. On va faire un cri barbare là et on va voir. Tant pis. Lui, il passe. Non, il remplace là, ouais. Oui. Ensuite, c'est... Oh zut, j'ai fait une connerie. Bon, c'est pas grave. Il passe aussi, j'aurais pu l'utiliser, je crois. Non, tu restes là. Bon, là, on a 4 chances. Allez, envoie lui. Elle va pas passer. D'accord. On a des bonnes manies là. Hein. Allez. Faut en finir avec cet aliéné là. Il est en train de nous affaiblir. Bon, il faut détruire les trucs. Voilà. Elles disparaissent ou pas ? Elle résiste, bazar. Alors lui, il faut qu'il passe devant. Il me servira à quelque chose. Quoi ? Pour que tu t'éclipses ? Elle veut pas le laisser passer, j'y crois pas.
il est obligé de passer. On passe. Ah, voilà. Bon, mine de rien, ça me rend un service. D'accord. Oh, le combat est rude, hein. Il est tout seul, l'aliéné, mais il me pose problème. Il repasse devant. Cette fois-ci, elle le laisse passer. Et elle, elle va lui mettre un bon coup, Satan. Ah, 4-8, ça m'intéresse pas. Là, j'ai dû... Alors là, elle peut pas. Le cri barbare, zéro patate. Donc, elle va lui mettre ça. Oh la vache. C'est pas grave, parce que vous allez voir... Là, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, on est au tour 6. Très bien. Allez. Là, tu dois pouvoir l'exploser. 10, 14, 5, 10. On va pas prendre ce risque. Parce que on s'est battu déjà. Flèche empoisonnée. Allez. Infecté. Il va perdre des points. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. 8, 10. Il a 9. Ça devrait être... Oh, bah ouais. D'accord. Bon, les enfants, j'ai l'impression qu'on va pas finir cette quête encore. Allez, éclate-le. Ouais. Voilà. Mais ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué. Pff. Ça a été très compliqué. Par contre, j'ai gagné pas mal de choses. Alors, on va les remettre dans le... sens où ils étaient. Lui, il va passer devant. Non. Non, 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 non. Toi ici et toi là. Voilà. Et on va remettre un petit coup de jus là. Parce que la torche, elle est en train de s'éteindre tout simplement. J'ai presque plus rien. Il faut que je me dépêche, les enfants. Il faut que je me dépêche. Hein, une torche. Super. Hop, on y va. On y va, on y va, on y va. Ouais, j'avais pas besoin de ça, là. J'avais pas besoin de ça tout de suite. J'avais pas besoin de ça tout de suite. Mais pas du tout. Ah ouais. Nicked good, nicked good. Alors, 5-10, 5-10... 3-7, 3-7, ici, avec 90% de chance. Ensuite, elle, elle va pouvoir me faire un bon dégât. Alors là, on a du 5-10, celui-là, elle peut l'éliminer, par exemple. Cri barbare, m'intéresse pas. Et là, elle peut faire du 6, donc elle fait ça sur le premier, sur celui-là, et normalement, elle l'élimine. Voilà, donc un de moins. On va peut-être s'en sortir, les enfants. On va peut-être s'en sortir. Le soleil brille plus fort. Alors, peut-être qu'il aurait intérêt à soigner ce coup-ci. Ah non, mais il soigne personne. Il s'occupe de lui, lui. Il s'occupe de lui. Qu'est-ce que ça fait, ça, intimider ? Non, on va faire ça. Allez. Ah bah oui, 9-18, évidemment qu'on fait ça. J'avais pas vu. Très bien. Aïe. Ça y est. Elle est dans l'agonie. Faut que j'en finisse vite, là. ...3-7, 83% les deux. Hop. Très bien. Ensuite, à qui de jouer ? Gobelet en temps non. Aïe. Lui, il passe. À elle. Alors, avec ça, tu peux toucher. 5-9, il a 10.
D'accord. Bon, et j'ai que ça. C'est chaud, les enfants, c'est chaud. Il va se protéger. Il va se protéger. Troisième tour. Alors là, elle pourrait, avec ça, elle lui fait combien? 3, donc c'est bon. 80%, elle l'élimine. Voilà. Alors par contre, lui, il est au bout, là. Il nous casse les noisettes, hein, parce que je sais pas comment on va faire pour le toucher. Ouais, il va falloir taper sur les dépouilles, tant pis, hein, sinon on ne l'aura jamais. Ou alors, il faut que ça soit elle qui... Alors, attends, il va se mettre une solennité, ouais. On va voir. Critique 12. Super. Solennité, j'avais pas vu que ça permettait de récupérer de la vie. Mes ancêtres m'ont béni. Ah, le cri barbare, il pourrait aller au fond quand même. Y a rien qui lui permet de récupérer de la santé, là, à la minette. Je sais pas quoi faire, là, avec elle. Bon, elle va attaquer... Ah bah voilà, bah voilà. Allez, très bien. Voilà, et elle, elle va lui mettre un coup de poignard et ça va aller vite fait. Voilà, et elle repassera. Ah merde, je peux pas le toucher avec ça. Avec ça, ouais, 3-7 normalement, ça devrait être bon. Très bien. Super. Là, il y a pas mal de dépouilles. En plus, on va ramasser du fric. Hein. Bon, pas grand-chose, mais ça va. Alors, elle, on a un... On a chopé une herbe, là. Elle est où? Voilà, ici. Donc, on va lui donner pour supprimer le malus. Je n'ai besoin d'aucune chose que tu possèdes. Bah, et ça? Bah, alors, dis pas d'ânerie, Yolande. Bon. Là, j'ai des bandages pour stopper les hémorragies. Un petit coup de jus. On avance. On va y aller quand même. On va essayer. On y est presque, là. On y est presque. Le sac contient du butin. Ouais. On a une belle quête, là, quand même. Hein. Si je réussis à m'en sortir... Ouais, là, par contre... Pack full of steel and war. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? On va aller au moins à la dernière salle. En espérant qu'il n'y ait pas de combat, parce que je crois qu'on sera à 90. Ah! Ouais! Génial! Eh ben. Ah, je vous avais dit, elle me plaisait celle-là. Je sentais qu'elle était bonne. Et puis en plus, on est à 23-27, donc c'est parfait. On va arrêter les conneries là. On va retourner au Mamo. Bon, malheureusement, on a perdu quelqu'un. Mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, on retourne au Mamo. Il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. Alors, on va voir tout ce qu'on a collecté. Des pelles. Un trésor collecté. D'accord. Les legs collectés. Bon. C'est pas super brillant, mais c'est bien. C'est bien. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Plus 3 crans. Alors, marchin. Marchemin. Tueur d'impie. Je sais pas ce que c'est, tueur d'impie. Plus 10 de pression. Ouais, donc c'est positif. Réflexe lent, moins 1 de vitesse. C'est dommage. Pour Anseret. Et pour Yolande, éparpillement. Plus moins 5% de dégâts, capacité à distance. Ok. On revient en ville. Risk and reward. A siren's call to the enterprising stalker. Oyez, oyez, braves gens! Calme et réservé, ces hommes sont des professionnels, attirés non par l'odeur du sang, mais par le reflet de l'or. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Courtenay, pour ce tunon. Ah, bah j'ai deux. Ah, d'accord, j'avais pas vu. The thrill of the hunt. Ok. J'ai des hommes gratis, très bien. Je les prends.
Donc on est en semaine 10, événements urbains, rumeurs de richesse. Bon, on n'a toujours rien. On n'avance pas, les enfants. On n'avance pas. Je suis impatient de vivre de nouvelles aventures. Bon, et ben voilà, on y est. Bah comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et puis à vous abonner. Ça me fera plaisir, ça m'aidera bien. Et voilà, on se retrouve là la prochaine fois. Mais là, cette quête était vraiment sympa. Hein. Donc la prochaine fois, on commencera en faisant ce qu'on a à faire en mettant qui doit être mis à la bonne place. Voilà, parce que là, on a du fric et on va s'en servir. Voilà. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Darkest Dungeon.